Bonjour et bienvenue au cours Phénomène d'échange 1, GCH200. Aujourd'hui, la généralisation de la loi de Newton en trois dimensions. Regardez ce que j'ai souligné ici. On dit que cette généralisation n'est pas simple. En fait, ça a pris environ 150 ans aux mathématiciens à faire ça. Donc, évidemment, on ne s'attend pas à comprendre tous les détails de ceci en l'espace de 5 minutes, hein. Regardons plutôt les résultats de ceci. Les résultats, c'est quoi? C'est que vu que notre fluide, il se déplace en trois dimensions, il va y avoir des forces qui vont s'exercer dans les trois dimensions. Ces forces-là vont s'exercer sur des plans, par exemple, dans la direction X, des plans dans la direction Y ou dans la direction Z. On a déjà vu dans le début du premier clip, où on avait développé taux YX, on avait déjà vu comment le taux YX s'appliquait sur une surface qui était parallèle à nos deux plans. Mais c'est exactement la même chose, mais en décomposant les vitesses qu'il y aurait dans les trois directions. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est taux X, qui comprend trois parties, X, X, X. X, Y et XZ, et P, la pression. On va appeler ça en fait les forces moléculaires. Ça. La pression, ben, c'est des molécules qui tapent sur une surface, et le cisaillement, le résultat en étant taux, le cisaillement est causé par le déplacement des molécules d'une couche à une autre. Les deux couches n'allant pas à la même vitesse, donc la quantité de mouvement se transfère d'une couche à l'autre. Ce qui se passe ici, on va appeler ces termes-là, en fait, les différents termes que l'on a en trois dimensions, des tenseurs. On a décomposé ici ça en deux parties. Les taux, IJ, I et J prennent les valeurs de X à Z, et P, qui est la pression. Il y a un petit artifice ici, delta IJ. Ben, ce delta IJ-là, on appelle ça le delta Kronecker. C'est un chercheur, un mathématicien du siècle dernier. Et son delta est simplement la matrice identité en fait, en deux dimensions. Donc, lorsque I est égal à J, delta est égal à 1. Lorsque I est différent de J, ben, delta est égal à 0. Ça implique quoi, ça, physiquement? Ça implique que la pression s'applique seulement dans la direction perpendiculaire au plan. OK? Et à la fin, on regroupe tous ces termes-là en neuf termes. Comme je vous le disais, de taux XX à taux ZZ, avec le pi là, qui est vraiment l'ajout du taux de cisaillement à la pression n'apparaissant que sur la diagonale. Donc, on se retrouve ici avec un pi qui va représenter les efforts causés par le déplacement des molécules. Au chapitre 2, on va voir comment on va utiliser ça, mais encore une fois, inquiétez-vous pas, nous, ce qu'on va faire, c'est seulement en une dimension. Un momentum qui se déplace dans une direction et qui est transféré dans l'autre direction. On va regarder qu'une des composantes à la fois, pour l'instant. Les prochaines années, on verra.